Les chevaux sont sur les ordres et sont partis pour ce long voyage de 3 800 mètres pour ceux du premier poteau. On est très bien partis avec un concurrent comme Ethan Seagal, le numéro 1. En seconde position, on retrouve le 4 Boycott et on suit avec les autres concurrents. Pour passer une première fois devant les tribunes, c'est le 1 et Jean-Luc Langevin, Ethan Seagal, mais le parcours est encore long. Il a trois tours à faire complet, mais c'est le 1 Ethan Seagal qui a l'avantage en seconde position. On retrouve le numéro 4 en troisième position, son compagnon de curie, le numéro 3, c'est-à-dire Citizen Ray. On est quatrième avec un concurrent comme Émile Dejalle. On ferme la marche avec Beautiful Atu ainsi que Keko Zen. Pour aborder une première fois le début de la ligne d'en face, c'est toujours le 1 qui, depuis le départ, mène benoîtement. Le 1 qui est Ethan Seagal, Jean-Luc Langevin en seconde position, on retrouve le 4. Boycott, position échangée, son compagnon d'écurie, le 3, c'est-à-dire Citizen Ray, en troisième position. On est quatrième, on vient à quatrième avec Émile Dejalle et on est encore plus loin avec les deux chevaux des 3 850 mètres. Pour aborder le premier tournant de la ligne, le deuxième tournant de la ligne d'en face, c'est toujours le 1, Ethan Seagal, qui mène la danse en seconde position échangée. Le 4, Boycott, en troisième position. On a Citizen Ray. On s'est rapproché d'un coup avec Beautiful Atu qui est sorti des derniers rangs. On reste cinquième avec Émile Dejalle et on ferme la marche avec Ecozen. Toujours le même depuis le départ, Jean-Luc Langevin et Ethan Seagal en seconde position. C'est toujours Boycott. En troisième position, on vient avec le cheval le plus avec les 50 mètres, c'est-à-dire Beautiful Atu et Emmanuel Duplain. On est quatrième avec Citizen Ray, cinquième Émile Deval et on ferme la marche de ce petit peloton avec Ecozen. Pour passer une seconde fois le poteau d'arrivée, il y a encore deux tours complets à faire. Donc, c'est un parcours de longue haleine. C'est le 1. Personne ne l'a relayé. Ethan Seagal qui a toujours l'avantage avec 2-3 sulky d'avance sur le 4. Boycott, Beautiful Atu, le numéro 6, en troisième position, suivi du 3, c'est-à-dire Citizen Ray. Les deux chevaux qui ferment la manche. En dernière position, c'est Ecozen et en avant-dernière position, Émile Dejalle. Pour aborder une seconde fois le premier tournant de la ligne d'en face, c'est toujours Ethan Seagal, mais le numéro 6, Beautiful Atu, qui reçoit deux victoires, drivé par Emmanuel Duplain, propriété de Monsieur Laurent Mutisami, va venir attaquer le leader. En seconde position, on a toujours le 4 Boycott. On est quatrième avec un concurrent comme Citizen Ray, le numéro 3. On est cinquième avec Émile Dejalle et on ferme la manche avec Ecozen. Encore plus d'un tour et demi à faire pour boucler ce parcours du monde marché, de ce prix du monde marché. C'est Beautiful Atu, le 6 maintenant, qui a pris l'avantage et qui va durcir un peu la course. En seconde position, le 1, Ethan Seagal. On a des ressources avec le 4, c'est-à-dire Boycott et Madame Le Breton. On vient avec Émile Dejalle. On est la 6e en seconde position. On ferme la marche toujours avec Ecozen. On ne se laisse pas compter avec ce 6, c'est-à-dire Beautiful Atu, qui était au poteau de 3 850 mètres et qui maintenant est passé des derniers au premier rang. Depuis maintenant demi-tour, en seconde position, Ethan Seagal. En troisième position, Boycott. Et les autres concurrents sont un peu plus loin, en Citizen Ray, Ecozen ainsi que Émile Dejalle. On est complètement battu avec Citizen Ray. On essaie de faire mouvement avec Ecozen, mais c'est toujours le même, c'est-à-dire Beautiful Atu qui mène ce peloton. En seconde position, Ethan Seagal. On avance maintenant avec le 4 Boycott et Ecozen va essayer également de faire mouvement. C'est le Money Time, dernier tour de piste pour boucler ce prix du monde marché. Boycott met la pression sur le leader Beautiful Atu. En seconde position, on a en troisième position Ethan Seagal. Émile Dejalle essaie de rester au contact. On est là également aussi avec un concurrent. On ferme la marche maintenant avec Citizen Ray. Et Ethan Seagal est complètement battu, lui qui, après avoir mené, est sur ses fins. C'est toujours le numéro 4, Boycott, qui a l'avantage. En seconde position, toujours Beautiful Atu qui rendait 50 mètres. On a Ecozen qui essaie de se relancer. On a également aussi Émile Dejalle. Boycott maintenant qui commet quelques fautes, il va être remis. Boycott est remis et c'est Beautiful Atu qui demandait pas mieux et qui a pris l'avantage. C'est Beautiful Atu maintenant qui prend plusieurs longueurs d'avance. On a Boycott à son intérieur, on a Ecozen qui essaie de revenir. C'est toujours le même, c'est-à-dire Beautiful Atu, mais on vient avec Ecozen. Ces deux chevaux vont se livrer bataille pour la victoire finale.
toujours le même, c'est-à-dire Beautiful Latour, mais on va l'attaquer avec Ecozen à son extérieur. C'est Beautiful Latour à l'avantage, mais Ecozen vient également. Beautiful Latour, Ecozen. Ecozen qui va prendre l'avantage. On est également là aussi avec Beautiful Latour. C'est Ecozen qui prend l'avantage et qui va certainement remporter cette course. Et il faudra attendre l'officialisation de l'arrivée. Donc, arrivée provisoire, c'est Ecozen qui l'emporte devant Beautiful Latour. Et on finit avec Boycott. On est quatrième avec Émile Dejal. Donc, certaines courses sans concession, les chevaux ont fini péniblement. Donc, arrivée provisoire, il faudra attendre l'officialisation de l'arrivée. Ce serait une victoire.